Eh bien, bienvenue. On va se faire une petite vidéo de partage d'ouverture de paquets de Hearthstone, ce jeu de cartes qui permet de jouer avec des cartes qu'on achète dans des paquets, des cartes aléatoires. Et finalement, je me suis fait un petit plaisir, parce que dans la vie, il faut se faire plaisir. J'ai déposé un chèque de 50 balles et je me suis acheté 40 balles de paquets. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais je me suis dit que j'allais ouvrir des paquets pas tout seul dans mon coin là, comme un petit solitaire là, qui se planque pour ouvrir son petit truc. On va partager ça, on va voir s'il y a de l'émotion, on va voir si on trouve de l'épique, de la rare, voire de la légendaire. On va s'en ouvrir, allez, on va dire 5 paquets, et puis on verra par la suite. Allez, c'est parti. Et on en a 40 donc. On dépose. Voilà, il y a 5 cartes dans chaque paquet. Et là, quand on passe au-dessus, on sait si il se passe des choses. Là, je crois que c'est une rare. Parce qu'on voit une aura un peu bleue là autour, ou violette, je sais pas. Rare. Voilà. Ça, je l'avais pas. La lame. Dame de la perdition. Non. Donc Sir Claude c'est de la commune, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises cartes. Hein. Une autre arme chamane. Bombardier fou. Je ne l'avais pas, celui-là, il est cool. Dans le genre aléatoire. Et le Berserker, bon, correct. Une autre. Bon d'accord. Ça c'est vraiment le plaisir. Hein. Frappe mortelle, guerrier, 4 points de dégâts. Si votre héros a 12 PV, points de vie ou moins, inflige 6 points de dégâts à la place. C'est un petit peu le coup du dernier. Un secret chasseur, entité miroir du mage. Encore des petits secrets, c'est pour mon petit deck secret story. Pas de l'ombre. Classique voleur. Envoie un serviteur allié dans votre main et coûte 2 cristaux de moins. Pour 0. Faut voir si c'est rentable. Et le fameux prophète du sac terrestre, cri de guerre, rends-toi point de vie. 3-3-3. Bon. Allez, ça chauffe un peu là. Ah, une carte classique du guerrier. Qu'on voit pas partout d'ailleurs. Œil pour œil, ça on la voit. Paladin. Inflige au héros adverse autant de dégâts que ceux subis par votre héros. En tout cas. Et une rare, flamme sacrée. Le prêtre inflige 5 points de dégâts, rend 5 points de vie. Oh, ça y est, ça chauffe. Les points de vie, les rares, elles sont bleues. Vous voyez, il y a une petite perle bleue là. Ça, c'est les communes. Cri de commandement. Les points de vie de vos serviteurs ne peuvent pas passer en dessous de 1 ce tour-ci. Et vous piochez une carte. Ok. Je connaissais pas. Et le sous-chef cruel. Est-ce que je l'avais celui-là? Si j'ai un point de dégâts, un serviteur lui donne plus d'attaque. C'est joué ça. Hein. Parce qu'il y a des cartes forcément qui sont pas jouées. Moins jouées selon la méta. Bon, allez, on avait dit 5. Hein. Cône de froid du mage. Donc c'est une commune. Commune où. Ah. Rare doré! Une rare dorée. Voilà. C'est parce que c'est joli, ça bouge. Et c'est doré. Et une animation intégrée. Explosion de lave, inflige 5 points de dégâts avec surcharge de 2. Explosion de lave, je sais même pas si je l'avais ça. Ah, une épique! Ça chauffe! Manipulateur sans visage, cri de guerre, choisis un serviteur et on devient la copie conforme. Ah, on me l'a joué ça hier. Ouais,
un serviteur, donc ça peut être un de ses serviteurs ou adverse. Hein. Un protecteur d'argent, cri de guerre, c'est un bouclier divin, un allié et la hache du chaman. Bon, je pense que j'ai au moins des triples là. Et le dernier paquet de cette vidéo. Je me spoil en faisant du rollover comme ça. Hein. Là, je sais que c'est de la commune ça. Dissimuler. Camouflage. À vos serviteurs jusqu'à votre prochain tour. C'est pas mal ça. Hein. Ça peut être pas mal ça quand même. Bien joué. Bon moment. Puissance accablante. Confère 4-4 à un serviteur allié jusqu'à la fin du tour. Puis il meurt de façon horrible. J'en ai bouffé aujourd'hui de ça. Deux fois la même carte. Une épique. Chevalier de sang. Tous les serviteurs crit de guerre. Tous les serviteurs perdent bouclier divin et gagnent +3/+3 pour chaque bouclier perdu. Ça c'est un contre bouclier. Ça c'est un contre paladin un peu, non? Peut-être. Rare. Une rare. Oui, bon, celle-là. Je la jouais au début en pensant que c'était vachement bien et en fait c'est. Pour l'instant c'est pas terrible. Il faudrait comboter des trucs pour faire un accès de rage avec 5 dégâts. Là. Bon, ah, on a envie d'ouvrir. Hein. Mais on verra ça à la prochaine vidéo parce que ça va déjà peser un âne mort à uploader. Et c'est du test. Mais voilà, c'est pour partager. Ça me brûle les doigts. Allez, encore un. Allez, encore un. Allez. C'est ça le truc. C'est de la drogue. Aïe pour aïe. On l'a vu tout à l'heure. Barrière de glace. Du mage. Quand t'es attaqué, une armure. Point d'armure de 8. Une rare faveur divine du paladin. Noble sacrifice du paladin. C'est un secret. Et un tir meurtrier. Bon voilà. Rien d'extraordinaire. Bon, la fin de la vidéo. À bientôt.